si je fais ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne? Non, mais il n'y a plus rien qui fonctionne. Je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Je confirme, on a bien une connexion en mode ADSL. Et est-ce que vous voyez du texte qui s'affiche? Oui. Sur l'internet? Non. Ah, si, si. Ah, bah, si, 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 ça a l'air de... Juste pour info... RDS, oui, la radio de Sophie, voilà. Le router NAT, tout à l'heure, ouais. Actif. Ouais. Il tourne depuis un jour. Personne n'a de router NAT, éventuellement. Ah, oui, est-ce que quelqu'un a un router NAT qui tourne? C'est une bonne question. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que RDS? Remote Desktop Service. Mais c'est exactement ça. Tout à fait. RDS, ça veut dire Remote. Voilà, mais c'est bon. Voilà. Bon, bah, Remote. Desktop Services. Service en français, c'est les services de bureau à distance. IT Sysgi, voilà. Alors, c'est quoi le principe d'RDS? Ben, le principe, c'est de se connecter en bureau, à distance, à une machine. C'est ce que vous faites tous les soirs quand vous rentrez chez vous et que vous vous reconnectez pour réviser, pour travailler à l'ordinateur qui est dans cette pièce. Vous vous connectez en bureau à distance. C'est ça le principe. Donc le principe, ben, c'est ça. D'ailleurs même c'est pas ça, c'est plutôt ça. Actuellement, tac, à Mérignac, donc on va dire que là, ici, c'est Mérignac. Tac. C'est Mérignac. Mais c'est la jolie ville de Mérignac. Tac, il y a une machine qui est à Mérignac. Hop. Et il y a une deuxième machine qui est où? Eh bien, qui est à la maison, hein. Elle est chez vous. Et l'idée des services de bureau à distance, ce sera... Ouais, je fais un gros ordinateur. C'est une grosse manière. L'idée, c'est que sur l'écran de l'ordinateur qui est à la maison, on va voir l'écran de l'ordinateur qui se trouve à Mérignac. C'est ça l'idée de RDS, les services de bureau à distance. C'est comme si, bah, dans l'ordinateur qui est chez vous, vous voyez l'ordinateur qui est à Mérignac. Hop. Vous le voyez dans votre ordinateur. Bon. Donc c'est assez simple vu que vous le pratiquez déjà beaucoup. Sauf que ce que vous faites vous comme service de bureau à distance, c'est du service monosession. C'est-à-dire que vous vous connectez depuis chez vous et vous vous connectez à une machine. Vous êtes combien à utiliser ça dans cette pièce? Comptez-vous donc? 12, je pense. Tout le monde. Merci, c'est gentil de me répondre par un chiffre parce que comme la question c'était combien, j'attendais un chiffre. Donc effectivement, 11. Question? Il y a combien d'ordinateurs dans cette pièce auquel vous vous connectez, hein? 11. Donc il vous faut autant d'ordinateurs que vous avez d'utilisateurs. C'est le défaut du système. Il va vous falloir 30 ordinateurs si vous avez 30 salariés. Il vous faut 100 ordinateurs si vous avez 100 salariés. Donc ça fait beaucoup, 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 beaucoup d'ordinateurs. Alors évidemment, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé pour le télétravail. Et vous imaginez avoir tous les PC en double en plus, voire des fois même en triple, ça ferait beaucoup. Donc l'idée, bah, c'est pas ça. C'est sûr. C'est pas ça qu'on va faire. C'est depuis
un ordinateur distant. Vous n'allez pas vous connecter à un PC. Hop, j'enlève le PC de Mérignac. Mais vous allez vous connecter à un serveur. Et la très grosse différence qu'il va y avoir entre les postes de travail et les serveurs, c'est que les postes de travail sont mono-session. Mono-session, je viens de vous le dire, vous pouvez vous connecter à un seul. Sur un serveur, c'est du multi-session. Vous pouvez vous connecter à plusieurs. Plusieurs, c'est 3, c'est 5, c'est 10, c'est 50, c'est 200, c'est 3000. La seule limite du serveur, ce sera sa puissance. Mais l'idée est là. L'idée, c'est de dire, j'ai un serveur. Et cette fois, bah, au lieu d'avoir un client, je vais en avoir peut-être 2, peut-être 10, peut-être 50, peut-être 200. Et tout le monde se connectera à un seul serveur. C'est ça l'idée. C'est qu'il y aura plein de gens qui sont dans plein de maisons différentes, qui sont dans plein d'emplacements différents, et bien qui vont tous se connecter à mon serveur. Voilà, donc quand vous allez parler de RDS, quand vous allez parler du service bureau à distance, ben, il y a deux façons de le mettre en œuvre. Soit c'est du mono-session, soit c'est du multi-session. Alors le mono-session, vous l'avez déjà fait ? Ben oui, plein de fois. Vous l'avez fait de nombreuses fois. Concernant le mono-session, c'est compris dans le prix. C'est-à-dire, sur toutes vos machines Windows, vous pouvez activer les connexions bureau à distance. Bon, vous l'avez déjà fait plusieurs fois sur des serveurs ou sur des clients. Vous n'avez rien à payer en plus. Le multi-session, il est payant. Pour le multi-session, et c'est ce qu'on va faire bien sûr, le multi-session, il va falloir payer des licences exprès pour ça. Ah, il y a des licences exprès pour faire du multi-session. Donc bien sûr, ça a un coût. Ce n'est pas gratuit. Voilà, donc l'idée, ça va être de monter ça. Ça va être de monter du multi-session à tes souhaits dans les services de bureau à distance. Et on va bien sûr faire ça sur des serveurs. Il va nous falloir ça pour monter notre infrastructure. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Pour l'instant, ça va ? C'est juste un truc embêtant, c'est que pour prendre des screens, même sur notre box, ça rame. Donc il n'y a pas de code de screen. Sur moi, en tout cas, moi, je fais souvent. Ouais, vous ouais. Faites en local ouais. Alors. Ouais. Nous sommes trahis par l'internet ce matin. Faux. Ah parce qu'il faut payer les factures. Ah mais c'est embêtant ça. Mais c'est nouveau ça qu'il faut payer les factures. C'est... Depuis le 1er juillet c'est arrivé ça. Ouais. Parce que j'ai patienté. Bravo. Donc il va falloir qu'on fasse ça. Pour faire ça. Nous allons avoir besoin de plein de choses. Alors, ne commencez pas, attendez que j'ai fini. Je vais vous dessiner la maquette dont on va avoir besoin. Donc, il me faut ça. 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 Désolé du retard, j'ai l'air. Il me faut ça. Il me faut ça. Alors, ça. Ça. Ouais, ça c'est pas mal. Bien sûr, évidemment. Ça. Vous vous en doutiez bien. Hein. Ouais, c'est pas mal ça.
tac, tac, tac. Hop, hop, et puis ça, et puis ça aussi. Alors, ça a l'air bien ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais avoir besoin de pas mal de serveurs. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez les appeler? Server 01, 02, 03, 04, 05. Ce sera beaucoup plus pratique pour tout ce qu'on aura à faire. Donc pour l'instant, la seule chose que vous me faites, c'est que vous faites tous les serveurs. Et tous ces serveurs vont se trouver, bien sûr, dans un domaine. Et c'est tout. Donc le... Le 7. Est-ce que ça va suffire, cette serveur? On verra, au pire on en rajoutera un. C'est pas un souci. Donc le serveur 1, que fait-il? Bah bien sûr, il est DC, DNS, DHCP, hein. Et puis c'est tout. Tous les autres, vous mettez rien dessus. Vous attendez. On en aura besoin. Pour tout monter, ce qu'on a besoin de monter. Donc serveur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 clients, tout ça dans le domaine de MXY.LAN. C'est parti ? Parfait.
Ça, vous avez pas oublié comment faire les VM pendant les vacances ? Je sais pas ce que je fais. Non, mais... Faites des trucs au hasard ? C'est le problème du script. Sans service, sans rôle, sans rien. On installe avec un bon serveur, on installe le pillage de l'âge. Donc ce sont des machines virtuelles où il y a Windows Server dedans, dans lequel vous n'installez aucun rôle. Vous ne faites pas des VM vides. Moi aussi, je me suis mal exprimé. J'avais juste dit qu'il faut les intégrer dans le domaine. Tu vois, ils sont dans le triangle. Pour intégrer un système dans le domaine, bah, je crois qu'il faut qu'il y ait un système. C'était la petite phrase. Ah oui, c'est la... Mais il faut que je fasse plus attention, tu as raison. Oh, bah oui, tu as raison, méfie-toi. Hein. Méfie-toi du fourbe. SNCTSSR dit le fourbe. Thank you.
quelqu'un s'y connaît en informatique. Ah. Alors déjà ça commence mal, oui, c'est pas du contrôle à distance qu'on fait, c'est de la prise de c'est du bureau à distance. Donc, c'est pas de la prise de main à distance. Ça, c'est pas lié au... Enfin, si, c'est lié à ça. C'est parce que, par défaut, le mode de session étendu, il utilise les connexions bureau à distance. Et par défaut, il n'y a que les administrateurs qui ont le droit de l'utiliser. Si tu utilises le mode de session étendu avec un administrateur, ça va fonctionner. Pas avec un utilisateur. Il y a un groupe qui sert à ça, si tu veux. Il y a un groupe qui s'appelle utilisateur du bureau à distance. Si tu mets tes utilisateurs dedans, ça va fonctionner. Est-ce que ça va s'activer Windows 11 gratuitement alors que tu as un Windows 10 non activé? Je ne crois pas, non. Ce serait gentil. Ah, c'est vrai que Bill, il est très généreux. Hein. C'est un altruiste. Un mécène. Un mécène, on peut dire, mais... Comment ça, bizarre? Mais non, c'est normal, oui. Je t'ai dit, il faut être administrateur par défaut. Mais il y a un groupe qui sert à ça. Donc, si tu mets tes utilisateurs dans ce groupe-là, ils pourront se connecter en bureau à distance, donc utiliser le mode de session étendu. Utilisateur de bureau à distance. Si tu mets tes utilisateurs dedans, c'est bon. Ils pourront se connecter. Enfin, tu pourras utiliser le mode de session. Oui. Ah non, celle du serveur, ça servirait pas à grand chose vu que
suis pas sûr que tes utilisateurs se connectent sur les serveurs. En passant par la D, mais faut utiliser une GPO. Non, si tu veux des précisions sur les GPO, il y a un... J'ai un spécialiste ici. Avec plaisir, il te pourra te guider. Pitié, pas ça. Dites ça. Tant que ça attaque Linux, ça va voir. Tu vas faire les GPO, c'est la magie. Oui, c'est la semaine prochaine. C'est l'arrivée des pingouins la semaine prochaine. Pas une vague de fraîcheur. Si j'ai bien compris, il y a des pingouins qui sont arrivés chez certains plus rapidement que les autres. Ouais. Et moi, je suis passé sous Linux là, parce que mon laptop avec 4 Go de RAM, il m'a littéralement bloqué le bureau pendant presque 10 jours de vacances à faire des updates en boucle. Il savait plus où il était, quoi. Ah, il me disait, j'ai pas les specs pour Windows 11, et il tournait en boucle sur l'update du 10, la dernière en fait. Moi j'avais essayé de faire ça, j'ai bloqué les updates. J'ai essayé de faire ça, et il m'autorise à les bloquer pendant un mois, alors j'ai pas fouillé le détail, tu vois. Oui, c'est pendant un mois, et après il réessaye, après tu peux rebloquer, mais bon, au bout d'un moment il faut quand même faire les mises à jour, parce que sinon il va... Voilà, mais le problème c'est qu'il voulait pas me les faire. Ça faisait 10 jours qu'il tournait en boucle en essayant de la faire, celle que j'avais bloquée depuis un mois. Au bout de 2 ou 3 redémarrages, on va remarquer qu'il n'y arrive pas. Et là il va mettre les trucs genre réparer au boulot, machin, du bouchette. Ouais, il devrait faire ça. Pas chez moi en tout cas. Alors, après j'étais sur un Lenovo, il paraît que c'est pas terrible comme... comme hardware, donc je sais pas trop les compatibilités et tout ça, mais c'est bref, je suis passé sous Mint et vraiment je suis ravi. C'était d'une facilité d'utilisation déconcertante. Il te file littéralement une liste d'applications. T'as Discord, t'as Steam, t'as tout. C'est plus facile à installer que Windows, franchement. Attention ce que tu dis. Ah non, mais quoi, sans blague. Sans blague, c'était plus facile que d'installer Windows 11. Moi je préfère mieux choisir mes programmes que ma cause de distribution. Tu fais le rebelle, quoi. Moi je ne dis rien. Ce que je vois, c'est que ça prend beaucoup plus de temps à installer une grosse distribution. Je laisse parler. Je pense que tu devrais rester avec nous, Wiz, parce que faut pas que je dise trop fort, mais on va refaire des GPO. Autant dire que là, avec RDS, on va devoir tout revoir. On va devoir revoir. Je sais pas si cette phrase est correcte.
Quand vous aurez fini de créer le domaine, est-ce que vous pouvez le peupler avec des utilisateurs, s'il vous plaît? Prenez des vrais gens. Des gens bons, des gens... Des gens qui ont des vrais prénoms et des vrais noms. Pas user 1, user 2, user 3... Michel, Michel. C'est là que ça commence à piquer au niveau ressources. À tes souhaits. 6. À tes souhaits, 6. Ça avance ? Tout doucement, mais oui. Bien.
clause de non-concurrence. Mais normalement, déjà, toutes les clauses de non-concurrence, elles sont caduques, quel que soit le contrat. Tu peux avoir ce que tu veux dedans. En général, c'est pour les commerciaux, plutôt. Normalement, pour qu'elle soit valable, il faut qu'elle soit limitée dans le temps, limitée géographiquement, et qu'il y ait une... qui est un montant en face de la clause, parce qu'on n'a pas le droit de t'empêcher de faire ton travail. Là, dans l'informatique, j'en ai jamais vu. Chez les commerciaux, ça peut arriver, mais... ou les consultants, ça peut arriver, mais en général, aucune n'est bien faite. Non. Aucune n'est valable. Non. En cas de procès, tu gagnes à tous les coups. Ils sont toujours en général trop contraignants. Ils sont en général trop contraignants. Donc ça passe pas. Et si elles ne sont pas assez, elles ne servent à rien. Ouais, voilà. Donc, c'est pas... c'est... je me demande à quoi ça sert. Ça doit être vraiment... c'est pour des très grosses places. Vraiment, ouais, en général. Vraiment pour éviter que les salariés aillent flâner en même temps sur, sur d'autres entreprises. Surtout dans le privé, parce que dans le privé, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de quoi ? Privé. Si, tu as le droit, mais le nombre d'heures est voilà, assez limité. Très. Tu peux, si tu peux cumuler un deuxième emploi. Ce que tu fais, c'est que tu as un deuxième emploi officiel de 1 à 2 heures par semaine. Voilà. Qui donc qui rentre dans le cadre, et puis en fait tu consommes tout ton temps de travail de fonctionnaire pour ton deuxième emploi. Mais tu le déclares pas. Voilà. Voilà, c'est ça. Vu que la journée dans ton boulot de fonctionnaire, t'as le temps. T'as beaucoup de dispo, tu peux faire plein d'autres choses. C'est quoi, non, bon, après je cible personne en particulier. Disons que normalement. De respecter les conditions. C'est-à-dire qu'elle te dit que tu n'as pas le droit d'aller travailler ailleurs si tu quittes l'entreprise pendant un certain temps, limité géographiquement, et il te dédommage. Ils te disent que si ils doivent l'appliquer, eh ben, ils te donnent de l'argent. À ta place, je la montrerai à un avocat spécialisé dans le droit du travail, pour être sûr. Pas spécialisé. Hein. Si jamais tu veux, le barreau des avocats de Bordeaux te donne droit à 1 heure de consultation gratuite par an. Il faut les appeler et tu as un rendez-vous gratos pour 1 heure. C'est pas effectivement 1 heure, ça va être plus 20 minutes, mais ça sera un vrai avocat. Poser ce type de questions, ça suffit. Ouais. Alors, je crois qu'il est un peu à Lille, mais il n'est pas impossible que le barreau de Lille ait le même service. Vous pourrez l'imaginer. D'ailleurs, comme c'est le barreau de Lille, c'est plutôt 3 heures. C'est vrai qu'ils ont fait un tribunal qui est plus petit. Je sais pas. Non, mais moi je suis d'une mauvaise foi sans nom, donc je fais des raccourcis, je bâche. Je suis fourbe. Moi je suis fourbe. Et dis-moi, Winston, toi qui es loin, c'est le stream il lag ou pas? Ou ça va? Parce que nous on avait des soucis d'internet ce matin. Ça... D'ailleurs, c'est réparé ou... Ouais, c'est bien revenu. C'est revenu. Ouais, donc c'est ça. Ça a l'air de quand même être toujours fonctionnel.
Ok, très bien, merci. Au moins une dizaine. Hein ? 10 ? Au moins une dizaine. Alors, vous en êtes où ? Je n'ai pas vu tout clavier, moi, je n'ai pas vu.
À tes souhaits. Thank you.
ton paquet de traceurs fait des triangles. Non, c'est les lignes. Je fais avec les lignes. Grâce à trois lignes droites, on arrive à faire un triangle. Ouais. Ouf. Truc de l'églingo. Tu l'as mis comme ça, toi. Moi, je l'ai dans l'autre sens. Quand je dis je me mets dans l'autre sens, mais ce n'est pas pratique pour la lecture du nom de la fenêtre. Ah bon ? Quoi ? Ah, tu vois que c'est serveur, ça. Je voudrais pas te perturber. Sur le 2 par exemple. Ah oui, c'est vachement mieux comme ça en fait. Ah là, quelle belle journée. J'ai appris quelque chose. T'as un petit rêve, hein. je pourrais le réutiliser. Par contre, je dirais, je vous conseille d'organiser ça à la Danielle. C'est pas pour la postérité. Faut que ça reste. Faut que je laisse une trace. Pas de soucis. Ouais, ça c'est très habile.
difficulté? Non, ça va? Vous avez pas tout oublié? Moi j'avais oublié qu'il y avait une stratégie de mot de passe par défaut. Oui. Et donc, 7 caractères, complexes. Ok. Historique et tout et tout. Que tu voulais mettre 1, 2, 3, 4 comme mot de passe? Ouais, voilà. Par défaut, tu peux pas. Mais cette stratégie, elle est modifiable. Mm-hmm. Il y a des gens qui l'ont fait. Des gens qui ont eu fait ça. La légende raconte que... La légende raconte qu'ils l'ont fait parce qu'ils avaient la flemme dans leur script PowerShell de mettre un mot de passe compliqué. Donc, ils préfèrent baisser le niveau de sécurité plutôt que de faire quelque chose d'opérationnel et de sécure. C'est un choix personnel. Enfin, ça reste une légende. Donc c'est virtuel, ça va. Je peux pas confirmer. Oui, ça va. Si seulement ça n'était que virtuel, que en formation. Quand tu t'intéresses un peu aux différents piratages qu'il y a partout, tu finis par voir, ah, l'administrateur avait laissé le mot de passe par défaut sur un routeur, un point sans fil, le digicode de l'entrée, la caméra IP, il y avait toujours un truc. Ah, oui, ben là, c'était pas sécure. Bon. C'est la mise à jour d'un antivirus. C'est comme si tu me disais, putain, le mec de chez Norton, il a fait de la merde. Ouais, c'est ça. Oui, bon, ça, on le savait déjà, ça, c'est normal. Mais c'était pas chez Norton. Oh, faudrait que je regarde, je sais pas si on a le nom du gars. Est-ce que ce serait pas un ancien de chez Norton? C'est l'endroit où ils ont testé la mise à jour. En fait, si, il y a toute une procédure de test de mise à jour. Mais ils ont une phase de justement post-test de correction. Au cas où, il y a justement, alors il y a trois phases, et la troisième, ils ont encore une phase où ils peuvent modifier le correctif avant de le déployer, mais il n'y a pas de retest derrière. Il y a un petit défaut dans la routine là. Donc là, il va évidemment changer un jour. Ah bah j'espère que c'est déjà changé. Ça serait bien. Ah bah changer l'ordre, il y a peut-être un truc qu'il faut inverser. C'est tester tout le temps avant d'envoyer. Voilà, c'est là qu'il faut le faire. Et pas remodifier derrière. Ben ça montre que c'était un antivirus de qualité. Oui. Il était installé sur beaucoup de systèmes. Il avait beaucoup d'avantages. Maintenant, alors il a peut-être toujours la même qualité. La question, c'est la confiance. Oui, la confiance, c'est du tout. Bah là, j'avais regardé un petit peu, genre 2 jours après, les parts de marché de marché. Oui, moi aussi, je regardais. C'est normal. Un peu cassé. Ah bon? Tu regardais les cours d'avance dans les 10 minutes où ça a commencé juste après, c'est cassé la gueule. Ça c'est la bourse. Microsoft dès qu'il y a eu. Est-ce que vous êtes sûr que c'était pas parce que LFI est arrivé en tête de l'élection? Quelque chose. Un sabotage. Ah ouais. Maintenant c'est revenu à la normale. Mais justement. Parce que tu mises sur la baisse. Justement. Exactement. Parce que sur la baisse. Si tu sais que ça va arriver, tu mises sur la baisse et tu sais que ça va remonter, tu gagnes deux fois. Voilà, exactement. Mais, mais ça marche pas comme ça. Ah si, ça marche comme ça. Non, mais la bourse, si. Ils ont contrôlé. En tout cas, potentiellement, c'est faisable. Oui. Voilà. Théoriquement, ils ont contrôlé les mouvements de fonds, ils ont regardé. Ils ont contrôlé les mouvements de fonds. Non, mais on ne peut pas savoir. Alors déjà, tu ne peux pas savoir parce que la possibilité du gain d'argent, ça motive des gens. Oui, ça motive. Donc, ils peuvent le faire. Mais tu peux aussi avoir du sabotage. Il y a des gens mécontents dans les entreprises. Oui. Ils vont faire, j'ai pas eu mon poste de CEO, de machin, j'ai pas eu mes vacances, tiens, eh ben je vais vous niquer parce que... D'autres, je vous ai dit 10 fois qu'il y a une faille dans le système. On a encore, tu vois, cette étape de modif post-test. Il faut le corriger, ça. Ok, très bien, vous corrigez pas, eh ben vous allez voir. Ouais, j'ai vu qu'en fait, ça faisait déjà 6 mois qu'ils étaient au courant qu'il y a un problème. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui s'est dit à un moment donné, bon, eh ben vous voulez pas corriger, je peux vous assurer que vous avez corrigé maintenant. On sait pas. Est-ce que c'est un acte malveillant? Est-ce que c'est pas de bol? Est-ce que c'est... Bol, non, mais ça fait 6 mois qu'on vous dit que ça va planter là. Ça va planter sur voilà. Windows. Bon, bah tant pis, hein. Vous voulez que ça plante. Hein. Ah, c'est quand même bizarre de toujours prendre la technologie et tout que ça arrive. Foutre à Mélenchon. C'est normal.
Exogite, t'as des humains. Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Donc, dès qu'il y a des humains derrière. Mais il y a toujours des gens qui contrôlent derrière. Oui, non, mais même quand tu. Et bah là, manifestement, non. Non. Il y a quelqu'un qui n'a pas contrôlé. C'est bizarre, mais bon. Arrête de penser que les humains, que les gens qui ont de la technologie sont ça reste des humains, quoi. Bah, les ingénieurs, en principe, ça passe par un ingénieur. Oui, oui, en principe. Oui, mais ça reste des la preuve que non. Ça reste des êtres humains. Bah non. Si on prend l'intégralité des systèmes électroniques, informatiques, d'ingénierie qui sont mis dans le monde et qui sont en production en ce moment, bon bah, le pourcentage de panne est quand même très faible. Exactement, c'est 0,001 par exemple. C'est pour ça, on peut pas dire que ça n'arrivera jamais. On fait le maximum pour que ça arrive le minimum de temps, mais ça arrive. Voilà. Pour moi, cela veut dire que si je fais des erreurs, ça va. Parce qu'il y en a qui sont hautement faut essayer d'en faire, faut essayer d'en faire le moins possible. Il y a bien qu'à lancer la mise à l'eau, il se fait virer le mouvement. Alors ça, par contre, ce serait cocasse de savoir dans les conseils d'administration, tu vois, si c'était vraiment en interne, à mon avis, c'est plutôt, bon, on se réunit tous, bon alors on tape sur qui ? C'est qui ? Alors c'est le mec qui a lancé, mais t'es sûr que c'est pas un mec qui l'a lancé la mise à jour ? C'est une routine, c'est un script qui le fait tout seul. Il y a pas un mec qui appuie sur les boutons, hein ? Bah non, c'est pour voir chaque qui avait mais qui a validé le fait qu'il fallait lancer la mise à jour ? C'est un secret du tout pour expliquer Elon Musk. C'était son premier jour, il a lancé le truc, il est rentré chez lui, et dans l'après-midi il a arrêté de se faire rappeler, il a dû revenir. C'était sûr qu'il est revenu, moi je pense qu'il est parti. Bah en fait, il est revenu, il s'est fait virer. C'était vraiment le stagiaire en fait. Ah ouais. C'était, ouais, c'était son premier jour. Quoi. Premier jour dans la boîte. C'était pas vraiment stagiaire, c'était son premier jour en tant qu'employé. Non mais là tu parles pas de la panne de que Microsoft a subi. Là, c'était une... il travaillait pour l'antivirus. Oui, non mais c'est la vraie histoire du mec en fait. Ouais, c'est c'était son premier jour. C'est son premier jour pour justement. Bah, il fallait une copie, donc c'est lui qui a été goûté des copies. Ah, c'est ça. Il a raconté tous les trucs et tout, comment c'est passé. Lui il a foutu lancé la mise à jour. C'était un TSSR. C'est-à-dire qu'il a utilisé la méthode AQCG. Là, ça a bien gueulé, là. C'est qui lui a dit de lancer la mise à jour ? Bah, c'est lui, je sais pas. Ah, c'est lui ? Il n'est pas responsable. Ah ouais, le mec, c'est carrément de mon initiative. Allez, je vais déployer la mise à jour, comme ça. Ce sera bien à jour. Ouais, je veux bien. Ouais, ça, c'est le premier jour de machin, je lance une petite mise à jour, tranquille, il est tout ça, c'était son tweet de base, tout content, il rentre chez lui. Ok, parce qu'il a tweeté en plus. Ok. Pour voir my first mise à jour. Faut voir si c'est quelqu'un câble, parce que bon, je pense que des gens qui disent ça sur Twitter juste le jour-là pour rigoler, Oh, tu voudrais qu'ils soient en top tweet et tout, qu'on fasse toute une histoire sur eux ? Non, c'est... Des gens qui détourneraient des histoires sur Twitter, du faux sur Twitter. Non. Des fake news. Non, ils ont fait une mise à jour, de toute façon, sur Twitter. Il y a un filtre anti-fake news. Ah oui, c'est vrai. Tout est vérifié. De toute façon, le mec, il a le... Il a le badge, le badge bleu. Il a le badge IDML. Ah oui, donc attention, c'est un vrai. Le tweet de base, c'était vraiment juste avant l'incident. Ah. Donc. Bon, donc on a une explication du ralentissement d'internet. Notre FAI a subi des attaques de vandalisme. Donc ils ont coupé des lignes. Hein. Ah, c'est pour les JO, ça non ? À Bordeaux, ils ont bien défoncé le réseau SNCF aussi, apparemment. Oui, la SNCF, c'est pareil, les aiguillages, là, ils ont fait. Ça y est, c'est la guerre civile. Ah, Mélenchon avait raison. Révolte ! Voilà, donc notre fournisseur d'accès fait son mieux pour rétablir la qualité de service. Donc on est en mode un peu dégradé pour le moment. En attendant qu'il refasse un petit nœud à la fibre optique. Un pansement, quoi. Bon, on est bien là, c'est bon là ? Oui ? Voilà, il faut faire une petite mise à jour sur la fibre optique.
Bon, bah, on peut faire la pause alors. Et puis après la pause, on peut attaquer. Hein, parce que tout ça, c'est pas que décoratif. Non, c'est pas un sapin. Ça fait un joli sapin parce qu'on va faire plein de choses avec tout ça. Bon, allez, petite pause et puis à tout à l'heure. On attaque les choses sérieuses. La machine veut bien répondre.